Salut tout le monde, ici Koch, K-O-S-H, en live and direct pour un nouveau tuto, T-U-T-O. Pourquoi t'appelles tuto? Tu crois qu'on sait pas que ça s'écrit T-U-T-O? De toute façon, il n'y a qu'une manière d'écrire tuto, donc tu nous prends pour des... Non, il n'y a pas qu'une seule manière, on peut aussi écrire tuto comme si on tuait un mec qui s'appelle To. T-U-E, plus loin, T-O-E. Autant pour moi. Ok, pas de souci. Par contre, si maintenant tu peux arrêter directement de communiquer avec moi, comme ça c'est plus convivial. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à imiter le chien. Et je vais vous apprendre deux sons. D'ailleurs, vous pouvez aller voir, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Une vidéo où j'imite les chiens qui pleurent et je vous montre les réactions des chiens. Amazing! On a dit plus de communication. Alors, on commence par les aboiements. Alors, il y a le chihuahua. Le rottweiler. Et je sais aussi imiter le chien qui a un problème de personnalité. Amazing! Comment ça se passe? Ça se passe avec une voix aspirée. Quand on parle normalement, on la voit, elle sort. Là, on va la faire rentrer comme ça. Comme quand on aspire. Alors pour faire le chihuahua, on va faire ça avec une voix un peu aiguë. Et on va dire « wa » en aspirant. On va essayer de le faire d'un coup sec. Alors faut faire attention parce qu'on peut se faire mal. Pour faire le rottweiler où le chien est un petit peu plus gros, au lieu de faire la voix aiguë, on va la faire un petit peu plus grave. Peut-être pas comme ça non plus, hein. On passe maintenant au pleur du chien. Le pleur du chien, il donne ça, regarde. En fait, pour faire le pleur du chien, il va falloir mélanger deux sons. Un petit sifflement, comme ça. Alors, le petit sifflement, il se fait, je mets ma lèvre inférieure, celle d'en bas, collée sur les dents d'en haut, là. Après, on rajoute la voix. Alors, soit on fait une voix très aiguë, comme ça. Soit on fait une voix un petit peu moins aiguë comme ça. Avec une voix grave, ça marche pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Maintenant, c'est à vous de jouer. N'oubliez pas de mettre un like à cette vidéo. Mettez-moi un petit commentaire pour me dire si vous y arrivez, pour me dire ce que vous avez envie d'apprendre. Vous pouvez me suivre sur Facebook. Mon Facebook, c'est Koch, K-O-S-H. Sur Insta aussi, mon Insta, c'est Koch officiel. Je sais pas si vous savez, mais en plus de faire des vidéos, des tutos, je fais un spectacle. J'ai un one-man show de beatbox. Alors, abonnez-vous sur mes chaînes Insta, Facebook. Je mets toutes les dates et ça se peut que je vienne jouer dans votre ville. Donc, il faut vraiment pas louper le Koch. Allez, à la prochaine.